Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus à notre rubrique dénommée Petite catéchèse pour le temps de carême. Aujourd'hui, le thème de notre rubrique est intitulé Les piliers du temps de carême. Durant le temps de carême, nous chrétiens sommes invités à nous fortifier à travers trois exercices qui sont la prière, la pénitence et le partage. Ces trois exercices ou piliers sont communément nommés les trois P du carême parce qu'ils commencent tous par la lettre P. En y regardant de près, ces trois piliers laissent découvrir les trois vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. La foi pour la prière, l'espérance pour la pénitence, et la charité pour le partage. La prière nourrit et fait grandir en nous la foi. La pénitence nous invite à faire l'expérience du manque, un manque qui nous conduit à ne compter que sur Dieu et donc à ne voir que l'espérance qui ne déçoit pas. Le partage nous invite à faire preuve de charité, à rendre notre charité plus active, une charité qui nous permet d'approcher et de ressembler à ce que Saint Jean disait de Dieu, Dieu est amour. Il s'ensuit que la prière, la pénitence et le partage nous permettent d'obtenir une foi sincère, une espérance qui ne déçoit pas, une vivante espérance et une charité en Dieu. Ces piliers nous permettent de nous renouveler en Dieu et sont le chemin pour notre conversion en ce temps de carême. Alors, en nous tournant vers ces trois piliers et en essayant d'approcher ces trois vertus théologales, je vous souhaite un très bon temps de carême. Dieu vous bénisse.